Montre ça, montre ça. La prière ouvre les portes, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. Dis à ton voisin, la prière ouvre la porte, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. L'église prie, les portes sont fermées. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que l'ange entre en prison sans l'ouverture de la porte. Pierre quitte de la prison sans l'ouverture de la porte. Je viens de déclarer aujourd'hui, ceux qui devaient t'aider, comme ils ont refusé, merci. Tu vas sortir, mais ils vont rester avec leurs clés. Mais ils seront étonnés. Ils vont se dire, il est sorti. Comment? Il est entré. Comment? L'ange est entré sans la clé. Pierre est sorti sans la clé. Tu entreras sans l'autorisation de qui que ce soit. Parce que la prière, la prière, la prière peut ouvrir les portes, même si ceux qui détiennent les clés ne te donnent pas l'autorisation. C'est pourquoi une chose que Satan avait oubliée, c'est que l'homme qu'ils ont mis en prison du nom de Pierre avait une promesse. Dans Matthieu chapitre 16, Dieu a dit, je te donne les clés. C'est pourquoi Pierre n'avait plus besoin de clés. Parce qu'on lui avait déjà donné les clés. Si les clés de la terre refusent d'être à ta disposition, il y a des clés spirituelles qui peuvent ouvrir les portes de la terre. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, le jour où il est arrivé dans la maison où les disciples avaient déjà fermé les portes, il n'avait pas besoin qu'on ouvre la porte parce que lui-même est la porte. Là où les hommes refusent que tu entres, Jésus devient ta porte. Et je déclare aujourd'hui, tu vas entrer dans la gloire, même si ta tante a refusé, même si ton père a refusé, même si tes amis ont refusé. Dis après moi, je vais entrer parce que Jésus est ma porte.